tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est le journal créatif. Et pour le journal créatif, en plus tombe le jour du réveillon de Noël. Voilà, donc j'espère que vous allez passer une journée bien hard. Alors attendez, il y a mon pied qui... Hop. Non, c'est bon. Je pense que vous allez plutôt passer une journée assez costaud hein, aujourd'hui, surtout pour ceux qui reçoivent. Donc, bon courage. aujourd'hui, alors je rappelle le journal créatif, c'est la vidéo de la semaine. Donc en plus, on est arrivé à la vidéo. Journal créatif numéro 20. Voilà, c'est le 20e déjà. Ça passe vite. Donc, je vous montre tout ce que j'ai fait pendant la semaine, que ce soit en tricot, en broderie, en DP ou autre chose. Je vous montre ce que j'ai fait. Alors, cette semaine... moi aussi j'ai eu une journée assez chargée, une semaine assez chargée et je ne sais pas si j'ai tout fait, je ne sais pas, c'est rien, on va voir au fur et à mesure. Alors j'avais prévu de faire, alors déjà avec mon petit carnet, j'avais prévu de faire, allez, où je sais plus. Ah, ici. Alors, j'avais prévu de faire ma broderie carotte, le jus de carotte de Lily Point, d'avancer le sal de Duran Jones, qui lui est terminé maintenant. Avancer mon sal du calendrier de l'Avent, qui lui, sur mon groupe, est terminé également. Voilà, ça y est, il est fini. Le sal est terminé. Avancer le sal mystère de Sabine. Faire ma broderie fleur que je fais en duo avec Céline. Ensuite, avancer ma broderie du dragon, Dragon White Book. Avancer ma grenouille. Ah non, non, non. La grenouille, j'avais dit que je la mettais en pause cette semaine. Donc, pas la grenouille. avancer le sal de Julia Roscocon, le All Forest. Ensuite... Les deux broderies météo, celle de jardin privé et le sal de ma broderie météo à moi, la maison météo. Et là aussi, la broderie estampée. Et en tricot, il y avait le débardeur de chouchou, mon pull camionneur et mon pull fil d'art. Voilà. Et la couverture météo, bien sûr. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de préparer quelque chose. Donc, je vais vite le chercher, mais je suis là tout de suite. Voilà, me revoilà. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le diamond painting. Alors, le diamond painting, je vous avais fait choisir 3 ou 4 cases, je ne sais plus, la dernière fois. Il en restait 6 à faire. Et donc, je vous en ai fait choisir 3, je crois. Donc, je cherche mes mots. Dans ma lancée, je l'ai terminé. Voilà, en fin de compte, j'ai tout fait. Il est terminé. Il est trop beau. Voilà, il brille de 1000 feux. Et en plus, vous vous rappelez, je vous avais dit, j'aimerais bien qu'il soit fini pour Noël.
Ben, c'est chose faite. Il est terminé pour Noël. Je le trouve trop beau. Voilà. Oui, je l'ai fini aujourd'hui. Je l'ai fait aujourd'hui. Et du coup, je l'ai terminé aujourd'hui. Et oui, il me restait. J'avais fait 4 cases. Et puis, j'ai dit, mince, il me reste 2. Allez. On y va. Je fais les 2 cases qui restent. Et voilà. Mais il est très, très beau. Voyez comment il brille. Il n'y a pas de perlabé ni rien. Ce ne sont que les diamants ronds, comme normaux, qui brillent autant. Alors, ils brillent autant parce que ce sont des perles, enfin des diamants à facettes. Voilà. Alors, je ne sais pas si. Non, vous ne verrez pas. Ça ne fera pas le point dans ce sens-là. Donc, c'est des perles, mais qui sont à facettes. Donc, du coup, ça brille. Voilà. Objectif super atteint. Voilà. Alors, je vais le poser. Bien sûr, bah, du coup, vous n'avez plus de cases à choisir. J'ai une pupille. Il n'y avait plus de cases à choisir. Et je vais faire une pause diamond painting cette semaine. Uniquement cette semaine. Je vais finir l'année comme ça, sans commencer d'autres DP. Alors, je voulais finir les sapins, mais je n'ai pas trouvé le temps. Je vous l'ai dit. J'ai eu pas mal de choses à faire. Bon, on n'est qu'à deux, mais on a quand même eu nos petites courses pour notre petit repas amélioré à faire. Qu'est-ce qu'on a eu? J'étais chez le docteur parce que j'étais encore bloquée du dos. Ah oui. On a eu les menuisiers, enfin le chef menuisier. Qui nous a dit, bah, nous on repart sur Paris, mais du coup on va faire votre fenêtre parce qu'il nous reste une fenêtre à faire dans la salle de bain. Mais normalement, ils doivent enlever la douche, mettre la nouvelle fenêtre et remettre la douche. Donc c'est un truc, un bin, pas possible. Et il était venu en disant, on va se débrouiller de poser la fenêtre, mais sans bouger la douche, comme ça on n'aura pas besoin de revenir. D'accord. Donc, il devait venir jeudi. Donc, moi, mercredi soir et. Ouais, c'est. Bah, on devait débarrasser jeudi matin avec Chouchou. Mais mercredi, tant que Chouchou y dormait, j'ai tout enlevé. J'ai vidé la salle de bain. J'ai nettoyé tout. Et donc, le lendemain, le jeudi, je suis partie faire des courses. Donc, oui, les courses, je crois. Enfin, on s'en fout. Je reviens. Je dis, oh, ben, les ouvriers sont là-bas au-dessus, comme ils avaient dit. Il me fait, oui, mais ils viennent pas. D'accord. Pourquoi ils viennent pas? Alors, en fin de compte, à la maison, à une autre maison au-dessus, ils devaient faire pareil. Et ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas. Qu'il fallait absolument. M'énerve mon pied. Excusez-moi, je vous bouge, mais il fallait absolument démonter la douche pour pouvoir poser la fenêtre. Donc, ils reviendront l'année prochaine, ben, en janvier, quand on ne sait pas. Parce que là, du coup, il faudra que les plombiers soient là. Pff, ça va être un bins. Mais un bins, ça va être un bordel, mais monstre. Alors du coup, ben, on a dû tout remettre dans la salle de bain. Voilà. Alors tout ça m'a pris du temps et voilà. Mais bon. Tout ça pour vous dire que du coup, cette semaine, je ne ferai pas de DP. Je vais profiter du temps DP pour m'avancer sur d'autres choses. Par contre, je vous dis, début janvier,
J'ai envie de recommencer un DP, bien sûr. Et du coup, j'hésite entre deux DP. Voilà. Alors, vous avez pu me voir, mais vous allez voir les deux images. Voilà, ces deux DP. Donc, la fée clochette ou la perruche avec les fleurs. Je vais, comme d'habitude, vous laisser choisir quel DP vous voulez que je fasse. Donc, c'est toujours un 40-30, c'est toujours des perles rondes. Voilà. Donc, c'est des DP que j'ai reçus cette semaine pour Chouchou. Et je lui ai dit, je t'en pique un. Donc, voilà. Je vous laisse choisir. Donc, vous me marquez dans votre commentaire celui que vous préférez. Alors, soit la fée clochette ou soit la perruche. Voilà. Je remettrai peut-être en communauté les deux images également pour que vous puissiez voter. Comme ça, si vous voulez voter plutôt dans la communauté, vous pourrez le faire. Donc voilà, coucou, me revoilà. Je vais vous laisser voter toute cette semaine. Et dimanche, donc à la prochaine vidéo, ce sera le jour du réveillon du Nouvel An. Je vous dirai lequel vous avez choisi, bien sûr. Moi, je vais le préparer rapidement. Dès que je sais quel DP vous avez choisi, je vais vous faire voter jusqu'à mercredi. Oui, mercredi. Comme ça, moi, jeudi ou vendredi, j'ai le temps de préparer le DP, de faire mes cases. Et dimanche, quand vous verrez la prochaine vidéo, le prochain journal créatif, vous pourrez voter pour les premières cases que vous souhaitez que je fasse. Donc, début janvier. Voilà. Donc, cette semaine, pas de DP. Ensuite, alors, je vais d'abord commencer par la broderie terminée. Alors, et dans quel sens? Dans celui-là. J'ai terminé ma broderie fleur. Alors, désolé, ça va refléter. Ma broderie fleur. Voilà. Donc, c'est des lys. C'est la broderie que je fais en duo avec Céline. Voilà. Alors, je l'ai déjà encadré, hein. Vous allez avoir la vidéo, hein, tout à l'heure ou demain. C'est fait dans le cadre, un cadre de chez Action, un 18 sur 18 cm. Le passe-partout, je l'ai fait moi-même avec du papier cartonné que l'on a dans le bloc de papier d'Action où il y a du blanc, du craft et du noir. Donc, c'est avec les feuilles les plus épaisses. Donc, voilà. Désolée, hein, ça reflète, mais là, je ne peux pas faire autrement. Donc, voilà. Terminé. Alors, normalement, je le montre à la fin, mais je vais déjà vous le montrer. Juste que je la trouve. Mais, la voilà. Alors, j'ai déjà préparé ma pochette pour le mois de janvier, mais je vous explique. J'ai fait une bêtise. Enfin, c'est pas une bêtise. Pour le calendrier de l'Avent, vous avez vu, je vous remercie encore d'ailleurs hein, d'avoir été si nombreux. Pour le calendrier de l'Avent, vous avez vu que j'ai fait gagner des kits de broderie, quelques-uns. Et j'ai pas du tout fait attention. Ça, ces fleurs-là, c'est une série de 8 broderies. Voilà. Et je vous ai fait gagner une des broderies. C'est après, quand j'ai voulu préparer la broderie pour le mois de janvier, donc la numéro 3, je suis mince, j'ai cherché, cherché, mais alors j'ai cherché partout. Et c'est après, quand j'ai fait le point sur
sur les cadeaux de calendrier de l'Avent. Je sais, bah oui. Et oui. Donc, je vous ai fait gagner une de mes broderies, mais c'est pas très grave. Ça y est, je l'ai redemandée sur un partenariat, donc je vais la recevoir. Donc, Céline et moi, donc j'ai dit à Céline que ce mois-ci, on allait faire la fleur numéro 4 au lieu de la 3. On va inverser, hein, c'est tout. En février, si j'ai reçu l'autre, on fera la numéro 3. C'est pas très grave. Donc, en janvier, on fera celle-ci. Ce sont des roses. Très, trop belles. Du coup, ça sera la Flower to Happiness 4. Voilà. Donc, elle est déjà prête pour être commencée début janvier. Mais bon, bah, du coup, on va faire la 4 au lieu de la 3. C'est rien, de toute façon, il faut les faire, hein, toutes. Voilà. Donc, c'était la petite histoire. Et je crois me rappeler que la personne qui l'a gagnée, c'est une personne qui avait la série, mais il lui manquait celle-là de fleurs. Alors, du coup, l'un dans l'autre, ben, j'ai fait plaisir à quelqu'un. Ensuite, alors, on attaque les broderies. Allez, je commence par ma carotte. Ma carotte. J'ai terminé le Vichy. Voilà. Tout le Vichy est terminé. Alors, je suis désolée, les couleurs bougent, j'ai l'impression. Un coup, vous avez bien la couleur, un coup, vous ne l'avez pas bien. Voilà, donc j'ai terminé le Vichy. Du coup, j'ai commencé le feuillage qui touchait le Vichy. Alors, j'espère réussir à rattraper ici, sinon il faudra que je démonte un peu là. Comme je vous avais expliqué, j'ai une erreur ici quelque part. Je ne sais pas où. Donc, on verra avec le feuillage si ça me pose problème ou pas. Sinon, je démonterai un petit peu et puis quand je vais redescendre, je vais rattraper au niveau de mon erreur, de toute façon. Voilà. Donc voilà. Le Vichy est terminé. Alors, on m'avait demandé. Bon, là, bien sûr, c'est de la toile Aïda. C'est très rare, hein, que je fais sur de la toile Aïda. Mais les lilipoints souvent proposent. Oh, j'ai fait une tache sur ma toile. Mince. On sait rien, c'est tout en haut. Comment? Souvent les lilipoints, quand on les prend, moi je les prends toujours sur Univers Broderie parce que malheureusement la maison du canevas ne les a pas. La créatrice ne veut pas vendre sur la maison du canevas. J'en avais parlé une fois avec Isabelle, elle ne sait pas pourquoi, mais bon. Du coup, bon, je les prends chez Univers Broderie. Et eux proposent du coup la toile Aïda, donc je m'embête pas, je prends directement la toile Aïda qu'ils donnent, et c'est de l'Aïda 8. Voilà, donc c'est assez fin. Alors, normalement, Lilipoint propose sur du 8 de le broder en un fil, mais moi j'aime pas, donc je brode quand même en deux fils. Ça donne quand même plus de relief, je trouve. Donc, je ne sais pas si là vous le voyez bien, mais ouais. Donc voilà. Bon, là, j'ai toujours pas pu acheter les nouvelles. Je verrai ça dès que je peux. Hein. Sinon, c'est pas urgent, hein, j'ai ce qu'il me faut. Et je voudrais quand même cette année, on va pas dire ne pas faire d'achat, parce que ça c'est impossible, mais ralentir les achats. De toute façon, je suis pas sans rien.
Niveau fil, j'ai ce qu'il faut. Niveau broderie, ben, j'ai beaucoup de broderie à faire. Donc, voilà. Niveau tricot, j'ai plein de laine en haut. Voilà. Donc, on va dire que je vais ralentir drastiquement, pas facile à dire, mes achats de cette année, enfin de l'année prochaine. Ben parce qu'il faut. Voilà. Les temps sont durs pour tout le monde. Et là, je vous dis, c'est pas comme si j'avais rien pour moi, passer mon temps pour mes loisirs. Voilà. Et puis avec les partenariats, de toute façon, je reçois toujours des choses aussi. Donc cette année, bah, je voudrais quand même avoir les deux achats que je voudrais surtout, c'est ça, c'est les deux derniers lits. Sur trois, j'aimerais bien en avoir deux, Lily Point. La tasse de chocolat et la ronron thérapie. Mais là, bon, pour l'instant, là, de toute façon, là, c'est fini. Là, j'ai repassé une dernière commande chez Obi pour ma couverture météo. Mais là, après, bon, janvier, je pense qu'il n'y aura rien. Vraiment, c'est si vraiment j'ai besoin d'un truc, absolument, mais si je peux m'en passer, je m'en passe. Je m'en passerai. De toute façon, je vais faire un point en janvier sur tout ce que j'ai. Je vais essayer de tout noter sur un cahier, aussi bien les laines, les broderies et tout. Et les laines, essayer de voir, bon, de noter la laine, la couleur, le nombre de pelotes. Et essayer d'associer avec tous les catalogues que j'ai aussi, parce que j'en ai beaucoup. Et puis même sur Internet, d'associer des modèles que je tricoterai avec, pour que mon stock aussi en bas baisse, parce que bon, c'est bien d'avoir plein de pelotes de laine, ça fait, c'est joli, ça fait plaisir, mais il faut les utiliser. Voilà, elles vont prendre la poussière. J'ai qu'à un jour attraper des mites, c'est mort, j'ai plus de laine. Là, on va croiser les doigts, mais bon. Donc voilà, donc 2024, on va essayer de que ce soit une année, comment je peux dire ça, une année sobre. On va essayer, je promets rien, mais on va essayer. Et du coup, je pourrais essayer aussi de mettre, peut-être, c'est pas beaucoup puisque nous on est qu'à deux, peut-être mettre 10 euros de côté chaque mois, et comme ça j'aurais pas besoin de sortir des sous, trop de sous à Noël, ou même pas du tout, parce que 10 euros par mois, ça me fera quand même 120 euros. À nous deux, 120 euros pour manger un réveillon de Noël. C'est très large, hein. Très très large. Moi, avec cette somme-là, de toute façon, je fais Noël, Nouvel An. Hein. Donc, voilà. Bon, c'est tout ce que je voudrais faire, mais bon, on va voir. Alors, mon calendrier de l'Avent. Alors, j'ai attaqué une case, mais je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini, pourquoi ? Qu'il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte ou qui est... mais bon, je sais plus. Donc bon, il fait aux trois quarts, c'est le sapin, donc le voilà. Alors lui, je vais terminer cette case là cette semaine, parce que ça fait, c'est pas top, hein, il n'est pas terminé. Je vais terminer cette case cette semaine. Et je vais le retirer de son cuisnap.
Je vais le retirer parce que Noël, bah, du coup, ça y est, c'est fini, hein, pour ainsi dire. Je vais le retirer de son QuickSnap. Je vais le ranger. Et je le ressortirai. Donc là, j'ai fait combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 24, ça fait combien? Oh, j'ai pu compter. Criez pas à travers l'écran, j'entends pas. Alors attendez, je prends ma tablette. J'étais bonne en calcul mental, hein, mais ça c'est comme la pub, ça c'était avant. Alors j'ai dit que j'en avais fait 7, il y en a 24. Donc il reste 17. 17. Alors, il faudrait que je termine donc ce calendrier de l'Avent en 4 mois et demi, bon, on va dire 5 mois. Donc 5 mois pour qu'il soit fait pour le début décembre de l'année prochaine, ça fait novembre, octobre, septembre, août, juillet. Donc je le reprendrai en juillet. Voilà. Je vais le ranger, le mettre de côté. Hein. Je ne vais pas l'abandonner, hein, pas du tout. Hein. Je vais le ranger parce que là, bon, broder du Noël, après Noël, ça me dit pas, ça me dit trop rien. Déjà que j'aime pas beaucoup broder Noël. Et je le ressortirai début juillet. Comme ça, pour le début décembre l'année prochaine, il devrait être terminé. Normalement. Normalement. Ouais, on va faire ça. Mais par contre, je termine quand même. Je vais terminer le sapin qui est ici. Voilà. Il y aura les cases à terminer, le haut aussi, parce que le haut n'est pas fait. Hein. Voilà. Mais donc, ouais, je termine le sapin cette semaine. Je vous la montrerai. Oh, ben, c'est une poussière. Je vous montrerai dimanche prochain que j'ai quand même terminé le sapin. Et après, je le range dans sa pochette. Je l'enlèverai les QuickSnap. Et puis je le ressortirai donc début juillet pour moi le continuer et le finir. Voilà. C'est dommage hein, parce que bon, c'est moi qui ai organisé ce sale et j'ai pas été assez régulière dessus pour le terminer. Alors il y en a qui l'ont terminé, bien sûr, dans mon groupe. Ils sont très très beaux, hein. Je les aime beaucoup. Donc là, je vais attendre un petit peu, je vais voir si j'ai encore d'autres photos sur le groupe. Et dès que j'aurai plusieurs photos, je vous les montrerai pour vous montrer le résultat des calendriers de l'Avent. Voilà. Mais je vous dis, je ne l'abandonne pas. Je vais. Oh, qui a envie de m'embrasser? Je vais juste le mettre de côté. Voilà. Sauf là, cette semaine, je termine le sapin. Mais après, je le mets de côté. Hop, allez. Donc, je vais le prévoir dans mon agenda pour pas l'oublier, par contre. Oh. Allez, ferme-toi. Voilà. Hop. Donc celui-là, il n'y a plus que le sapin à terminer et après on le ressortira en juillet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est quoi? Ah oui. Alors ça, je vais continuer bien sûr. Hop, je mets bien mon aimant. C'est le sale de Julia. Voilà. Vous aurez vu qu'à chaque fois, ici ou là,
Je crois que je vais me mettre comme ça. Comme ça, je pourrais vous mettre l'image là. C'est le salle de Julia. Donc, on fait 1000 croix par mois. Mes 1000 croix sont faites. Donc, la semaine qui arrive, j'y toucherai pas. Alors, j'ai commencé la deuxième maison citrouille. Donc, elle est en fil beige rosé. Voilà. Donc, mes 1000 croix sont faites. Les 1000 croix, de toute façon, c'est ça. C'est tout ça, là. Voilà, le vert et le début de la citrouille. J'ai fait 1001 croix, exactement. La dernière croix est importante, hein, 1001. Et donc, celle-là, je le reprendrai début janvier, voilà, pour refaire les 1000 croix du mois. Voilà. Alors, je ne le ferai pas le 1er janvier, puisque vous savez que le 1er janvier, il y a le sale du Nouvel An que j'organise sur mon groupe qui commence. D'ailleurs, je vous ai mis des vidéos, hein, des sales et cales qui vont commencer. Je vous remettrai dans les liens, mais sinon, vous allez voir sur la liste de mes vidéos, vous les trouverez tout de suite. Donc, il va y avoir le sale du Nouvel An qui va commencer. Et comme je vous ai montré... Attendez, je range ça d'abord. Voilà. Donc, celui-là, on ressortira début janvier. Voilà. Et comme je vous avais montré... Alors, il est où? Non. 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 Oh. Oui. Non. Si. Je vous avais fait voter entre un Joy Sunday ou un Riolis. Et vous avez choisi le Riolis, donc pour moi, pour faire le sale du Nouvel An. Donc c'est lui qui a gagné. Donc là, bien sûr, ça va être du point compté. Hein. Le Joy Sunday, c'était de l'estamper. Mais je le laisse de côté quand même. Hein, du assemblé, peut-être que je le ferai ou pas. On verra. Donc celui-là, il va être fait sur un an. Je vous referai une vidéo de départ. Voilà. Je vous ferai, vous voyez, il y a toutes ces couleurs-là, hein, je vous l'ai montré. Mais je vais vous refaire une vidéo détaillée et de préparation de ma toile cette semaine. Voilà, donc là, elle va être faite sur de l'Aïda. Alors, c'est de l'Aïda... c'est de l'Aïda combien ? C'est du 14CT, donc c'est de l'Aïda 5-5, voilà. Bon, on me dirait que je pourrais changer, hein, je pourrais le faire sur une étamine. Hein. Pour l'instant, bon, je pense que je vais laisser la toile d'origine. Voilà, je ne vais pas m'embêter. Je vais laisser la toile d'origine. Donc, je vous fais une vidéo dans la semaine, là. De la préparation de ma toile et le 1er janvier je vous ferai une première vidéo également du démarrage, voilà, puisque on démarre obligatoirement nos premières croix le 1er janvier pour respecter la tradition des brodeuses qui est de commencer une nouvelle broderie chaque 1er janvier. Voilà, donc voilà. Merci d'avoir voté pour celui-là. En plus, je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un kit que j'avais eu à la Maison du Canevas. Je montrerai le suivi également à Isabelle au fur et à mesure de l'évolution de ma broderie. Et niveau patron, vous voyez, bon, là, je peux vous montrer parce qu'on ne voit pas en entier. Il est vraiment très, très clair. Alors, par contre, je vais peut-être imprimer.
Je vais peut-être l'imprimer pour que je puisse stabiloter au fur et à mesure, parce que je ne vais pas stabiloter sur ma grille d'origine, surtout pas. Voilà. Alors, ensuite, j'en suis où? Oui. Alors, bah du coup, que je vais arrêter certaines broderies, et puis il y en a qui vont être terminées aussi, ça va me permettre d'avancer sur des broderies que j'ai aussi en retard. Comme, elle est où mon aiguille? Ah, attendez. Ah, j'ai mon aiguille qui se barre. Hop, remets-toi bien. Voilà. Comme le sale mystère de Sabine. Voilà. Alors, je suis à l'étape 2. Bon, elle n'est pas, hein, d'accord? Je suis sur l'étape 2, mais je vous explique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a pas la semaine dernière, je crois, mais je crois que c'est il y a 15 jours, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai dit ça. Je vous en dis tellement des fois que je ne sais plus. J'avais commencé l'étape 2. Donc environ, voilà, environ ça, environ un carré comme ça. Et je l'avais fait avec la méthode parking. Méthode que je n'aime pas. Hein, on ne va pas dire que j'en ai horreur, mais je n'aime pas la méthode parking. Et d'ailleurs, j'avais fait des erreurs. Et donc j'avais enlevé quelques points. Dans la semaine, j'avais enlevé quelques points que je trouvais qui n'étaient pas bons. Et donc j'ai recommencé à broder, normal, tout. Je regarde, je fais mince, il y a encore un décalage. Je sais pas. Et là, j'avais fait quoi? Déjà une trentaine de croix, hein, peut-être 30, 40. Je fais mince, j'ai encore un décalage. Alors j'ai démonté, mais j'ai tout démonter, donc j'avais enlevé toute la partie 2 que j'avais fait et je l'ai refaite et sans la méthode parking en méthode normale. Oui, une seconde, les pissous. Voilà, du coup, j'ai refait. Voilà, là, j'ai réattaqué la partie 2 proprement. J'ai dit c'est mieux de tout enlever. J'ai horreur de démonter. Hein. Mais là, il n'y avait pas, j'avais pas le choix, il fallait que je démonte. Et j'ai réattaqué donc ma partie 2. Et là, ça va tout seul. Ça va bien. Voilà. Alors, je sais qu'ils sont déjà à l'étape 5. Et 5. Et là, attendez. J'ai le calendrier sur moi. J'arrive, j'arrive. 5, oui. Ah, bon, ça va, l'étape 5, il y a encore une semaine. L'étape 6 sera donnée le 1er janvier. Voilà. Donc, ça va. Enfin, ça va. Je ne vais pas rattraper. 2, 3, 4. Je ne vais pas rattraper 4 étapes en une semaine. Hein. Faut pas rêver hein, quand même. Donc voilà. Bon, écoutez, on se fait une petite pause. Pour vous, je vous revois tout de suite. Mais bon, j'en ai deux qui veulent aller faire. À chaque fois que je fais la vidéo, hein, j'y ai droit. Mais bon, les besoins naturels, ils ne peuvent pas aller aux toilettes. J'arrive. À tout de suite. Voilà, la pause pipi est finie. J'en ai profité pour ranger ma petite vaisselle que j'avais sur l'évier, du coup, pendant qu'ils faisaient leur petit pipi. Faut pas perdre de temps, hein. Faut. C'est ça, les femmes, hein. Alors, on continue sur la broderie. Alors là, je l'ai enlevé de son tambour pour que vous la voyez mieux. Ah, ça se termine. Ça se termine.
Ma broderie météo. Ah, j'ai encore oublié d'aller. Ça y est, j'irai la chercher après. Voilà. La broderie météo de jardin privé. Alors, je vais vous montrer plus en détail ce que j'ai fait. Hop. Alors, là, mon petit panneau est terminé. Voilà, donc comme je vous avais dit, hein, moi j'ai marqué jardin météo. J'ai pas mis le nom de ma ville, je voulais pas. Je sais où j'habite, hein, donc voilà. Donc toutes les petites fleurs ici, le petit écureuil était déjà fait l'autre fois, je crois, je sais plus. J'ai fait aujourd'hui la petite coccinelle, le petit corbeau, voilà. Et bien sûr, j'ai fait aussi la petite fleur qui est là aujourd'hui. Et hop, j'ai fait ma semaine. Donc j'avais pas fait samedi et dimanche, hein, dernier. Donc j'ai fait samedi, dimanche plus ma semaine. Et donc je l'ai arrêté aujourd'hui. Alors, j'ai recalculé mes pétales. Je dois bien. Alors, j'avais expliqué, je crois que c'est Aurore qui m'avait posé la question. Si je me trompe de pseudo, désolée. Mais vous êtes tellement nombreuses que des fois je me mélange les pinceaux. Donc, je t'ai répondu dans ton commentaire, ben, je crois aujourd'hui. J'ai mis le temps, mais j'ai répondu. Voilà. C'est parce que les deux petites fleurs qui sont là au début de la broderie, normalement sur un jardin privé, les compte déjà pour le début de l'année, donc le 1er et le 2 janvier. Moi, je trouvais ça un peu bête. Bon, c'est mon avis, hein. Donc, on a commencé le 1er janvier sur une fleur. Voilà. Donc, du coup, il nous manque deux pétales. Et donc ces deux pétales, hop, hop, hop. Ces deux pétales, on va les retrouver. Donc là, je vais faire une semaine. Normalement, la tige, on devait la casser. Je l'ai laissée droite. Là, je vais faire une semaine comme ici. Voilà. Et il y aura deux pétales à faire. Comme là, on a encore une étiquette à broder. Normalement, c'était pour mettre la jauge des températures. Moi, je ne la mets pas non plus. Les deux pétales qui restent vont aller vers cette étiquette ici. Et l'étiquette, moi, donc, ce sera écrit dans ce sens-là. Je vais écrire en route vers 2024. Voilà. Et peut-être trois petits points. Bon, ça, c'est la petite fantaisie. Et du coup, mais j'aurai un pétale qui sera ici entre la fleur et l'étiquette, et la deuxième fleur ira à côté de 2024. Voilà. J'espère que vous me comprenez, hein, mon charabia, mais donc voilà. Mais j'aime bien, c'est le petit panneau ici. Je trouve trop beau. Alors normalement dedans il fallait broder alors une bordure blanche tout autour, enfin une en haut, une en bas, et sur les côtés. Alors il fallait en faire une en dessous du gris là, une au-dessus du gris, et faire trois rangs ici de chaque côté, mais en blanc. Le blanc, ça se voit pas tellement, la preuve. Ma petite libellule ou je sais pas quoi là, elle a ses ailes blanches, on voit pas, hein. Vous voyez, je sais pas si je vais pas faire un petit entourage avec ou alors tout au moins sur le côté, peut-être pas entouré, mais tout au moins voilà, juste là, vous voyez, faire un petit fil beige, beige rosé, quelque chose de léger,
Mais pour que ça fasse ressortir les petites ailes de la libellule là, ou du papillon, je sais pas quoi. Voilà. Donc j'ai dit non, je mets pas de blanc. Le blanc, on l'aurait pas vu, hein, donc voilà. Donc moi, je l'ai brodé. Alors j'ai brodé le mot, enfin les deux mots, en deux fils, malgré que c'est du point arrière. Mais alors, je sais pas si vous allez voir. Hein. J'essaierai de mettre des photos. Oh, ça floute hein, dans ce sens-là. J'ai mis deux couleurs différentes, deux fils différents. Mais bon, là comme ça, je le vois. Mais là, au retour caméra, on ne voit pas trop. Donc celle-là, bah, normalement, pour le 1er janvier, elle est terminée. Hein. Là, j'ai toutes mes perles à finir de broder. Ça, je vous avais expliqué. Hein. Ça, vous voyez, comme là, vous avez les perles au milieu des fleurs. Là, ils n'y sont pas. Mais ça va super vite à faire. En un quart d'heure, c'est fait. Parce qu'en plus, je coupe pas mon fil. Je tire. Alors, est-ce qu'on le voit? Toute façon, je tire beaucoup, hein, mes fils. Là, il y a des fils qui n'ont pas été coupés encore, donc faites pas attention. Mais voilà, pour mettre les perles, voyez. Hop. Voyez. Je tire mon fil. Je ne mets pas une perle. Je fais mon nœud derrière. Je retourne. Non, je m'embête pas. Hein. De toute façon, on s'en fout. Hein. Au début, je l'ai fait. Au début, je le faisais. Alors, au début, ouais, je tirais pas mon fil. Et puis après, j'ai de la crotte. Je tire. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup. Alors, niveau encadrement, va falloir que je trouve un cadre. Mais cette taille-là, chez Action, je sais pas. Faut que je vois. Donc voilà, je suis contente, ça se termine. Mais ça a été super agréable à faire celle-là de broderie. Alors, je ne sais pas si. Tiens, je vais profiter, regarder avec vous si Jardin Privé a prévu une autre pour cette année. Je vais profiter de regarder avec vous. Alors. Bon, celle que je fais, moi, c'était celle de 2022. Alors, ça, c'est celui. Ça, c'est c'était celui de cette année, mais je ne l'aimais pas du tout. Vous voyez, c'était celui-là. 2023, c'était ça. Mais j'aimais vraiment pas. Je trouvais ça. Non. Pas top. Et d'ailleurs, j'en ai pas vu énormément sur les réseaux de celle-là. Oh, mince. Alors, est-ce qu'elle nous a fait 2024? N'y a pas l'air. Alors, on va regarder dans les gratuits. Non, mais il n'y a pas. Ah, attendez. Projet météo 2023. Projet météo 2020. Non. Ah, par contre, je vois le projet météo 2021. Ça me donne une idée, mais pour autre chose. Ça fuse là-dedans, c'est toujours en train de bouillonner. Faudra que je regarde. Oui, mais non, elle n'a pas dû en faire cette année. Bizarre. Non, elle n'a pas dû en faire cette année.
regarde encore. Hein, mais... Alors, ça nous dit aussi que la boutique est en pause pour maintenance, puis pour les fêtes de fin d'année. Elle réouvrira le 1er janvier 2024. Alors, non, mais là, il n'y a pas d'autres projets météo. Peut-être qu'elle n'en a pas fait. Jerry, ah, je croyais que tout à l'heure, il s'est pris une dégelée par Fifi. Bon, si jamais je vois un projet météo de jardin privé, je vous le dirai. Ou si vous en voyez un pour 2024, dites-le-moi. Mais là, il n'y en a pas. Bon. Peut-être qu'elle ne peut plus en faire, hein. Ça se peut. Hein. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, hop. Donc, celle-là, la semaine prochaine, ben, elle est terminée. T'en feras encore une en moins. Alors, ensuite. Non, la grenouille, je vous avais dit que j'en faisais pas. Alors, j'ai pas eu le temps d'avancer mon dragon. Mon petit dragon. Il est comme ça. Mais du coup, comme il va y avoir des broderies qui s'en vont, hein, qui s'arrêtent ou qui sont terminées. Je vais pouvoir avancer mon dragon. Voilà. Alors, celle-là, je la montre en dernier. Qu'est-ce que tu fais? Allez. Ensuite. Duran Jones. Je ne l'ai pas terminé. Mais du coup, c'est un modèle de Noël. Donc, je pense que je vais... je crois que j'ai enregistré toutes les grilles. Ouais, je crois que j'ai enregistré toutes les grilles. Et... alors, soit je termine cette case-là, parce que bon, ce serait bien qu'elle soit terminée, que je corrige mon erreur ici et que je la termine. C'est un sapin, là. Et je la reprendrai au milieu de l'année ou vers octobre, novembre, peut-être novembre, et pour la terminer. Donc celle-là, elle va être mise de côté également. Je vais voir si je termine le sapin, si je suis motivée pour le terminer ou pas. Mais sinon, je la reprendrai donc l'année prochaine, mais en fin d'année. Parce que là, je vous dis, moi, broder du Noël, déjà, ça me botte pas. mais en plus, broder du Noël après Noël, donc ça, là, ça me botte encore moins. Voilà. Donc celle-là va être mise de côté également. De toute façon, je vais retirer du sac tout ce qui ne doit plus y être. Parce que j'ai des trucs dans le sac qui ne servent, que je ne brode pas du tout pour l'instant. Donc voilà. Je vais faire un petit tri. Ça, c'est la fleur du mois. Je vous l'ai montré. Alors, celle-ci, c'est pareil. Je l'avais fait il y a un petit moment. Je vous en ai déjà parlé. J'ai toutes les grilles. Mais pour l'instant, je ne suis pas motivée à la faire. Donc, je ne vais pas la démonter. Hein, parce que démonter tout le point arrière, là, non. J'ai peut-être envie de... Alors, pas à partir de janvier, parce que à partir de janvier, j'ai trop de trucs à mettre en route. Mais février ou mars, peut-être. Parce qu'il y a combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Attendez, non, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Il y a 40 cases. Alors, 40 cases. Ça, je ressors ma calculette. Ben, pourquoi je sors ma calculette? 40 cases, ça fait 40 semaines. 40 semaines, ouais, donc si je la commence en... Pacha, s'il te plaît, viens là, Pacha, tu laisses Fifi tranquille, elle mange tranquille, viens là, excusez-moi, j'ai un petit problème d'attendance, Pacha, Pacha, allez, hop, allez, les quatre pattes dans le panier. Dodo, voilà, tu la laisses manger tranquille. Oui, donc, si c'est 40 semaines, donc il y a 52 semaines, hein, c'est ça, dans une année. Donc, 4 et 4. 4 et 4. Arrêtez de rigoler. 4 et 4, 8 et 4, 12, 12 semaines. Donc ça fait janvier, février, mars. Ouais, on va dire que si je la commence en avril, je peux la terminer pour la fin de l'année, l'année prochaine. Alors en sachant que le groupe qui a fait ce sale cette année, a déjà ressorti un nouveau sale. Je crois que la vidéo va être longue, hein, c'est aujourd'hui. Alors, là, je prends mon petit stylet, j'ai des gros doigts, alors quand je... Non, il est là, voilà. Ah ouais, ben y en a déjà qui sont prêtes pour le prochain. Non. Non. Il y en a qui ont déjà brodé. Alors, je vous en montre un. Alors, il y en a qui ont déjà commencé à le broder. Hop, voilà. Regardez ça. J'ai pas fait celui de cette année. Ouais. Bon. Voyons, je suis complètement. Mais. Complètement de... Alors voilà. Ça, c'est celui de cette année. Si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà une version de celui que je viens de vous montrer. Voilà. Celui-là est magnifique. Cette version-là, elle est magnifique. Donc là, la personne a fait du black work et du point de croix. Mais oh, il est trop trop beau celui-là. Ça me donne trop envie de... Comment ? De me dépêcher. Bon, je ne vais pas rester 2 heures là-dessus, hein, mais... Ouais, voilà. Donc, je vous remonte.
Cette année, il est, enfin, 2023, voilà, comme ça. Et 2024, il est comme ça. Voilà. Donc là, bon, moi, je suis complètement à la bourre, hein. Je suis... Ben, de toute façon, il va falloir que je fasse des choses. Là, c'est bien que justement, il y a des broderies qui vont dégager, qui vont s'arrêter ou être mises de côté. Parce qu'il faut que je me mette à jour. Faut que je me remette vraiment à jour sur mes broderies. Parce que là, c'est pas possible, hein. Avoir des trucs de commencer comme ça et bon je sais que je suis pas la seule donc voilà il va falloir que tout à l'heure ou demain j'enregistrerai les fichiers manquants mais ce n'est pas tout parce que le black work que j'ai fini là que je dois encadrer aussi eux aussi ont remis en route un nouveau oh qu'il est beau celui-là regardez mais bon c'est Noël hein. Trop alors c'est quoi ah c'est ça alors celui de Stanley non ça c'est un petit. Que je vois qu'elles ont fait ça, les filles. Voilà. Mais du coup, faut que je regarde. Alors, fichier. Ouais, s'ils ont remis des fichiers aujourd'hui. Alors, je vais regarder. Ça va, je vous embête pas trop. Alors, oui, c'est bien 2024. Ah oui, il y a cette version-là aussi. Parce que c'est ça, ces groupes anglais là font des salles, mais avec plusieurs versions. Alors là, en voilà une de version. Voilà, ça c'est la structure. Hein. Et après, on va remplir toutes les cases. Et du coup, il doit y avoir sûrement une autre version. Non, mais c'est le même là. Ah oui, non, là, c'est la. C'est la version avec les grilles, mais plus grandes, vous voyez? D'accord. Bon, on verra bien. Donc, vous voyez, là, avec les black work, je suis complètement à la bourre. Il y a encore, hein, il y a des salles qui se mettent en route aussi. Et moi, il y en a un autre que je fais sur mon groupe, que je commence aussi en février. Alice au pays des merveilles. Non, mais il faut que je me calme. Non, 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 non. On va essayer de se faire... de se raisonner cette année. Même des fois, Chouchou, il me le dit. Il me dit, mais arrête de commencer plein de trucs en même temps. Il dit, regarde, moi, je fais un DP à la fois. Oui. Il fait un DP à la fois, mais bon... Mais un DP, ça va plus vite. Hein. Alors, je crois que là, à part celui-là, je crois que je vous ai tout montré. Oui. Alors, celui-ci. Alors, j'ai avancé un peu. Mais celui-là, je ne suis pas pressée. Hein. Je vous l'ai dit, je le prends, je le fais le dimanche, hein, celui-là. Où j'en suis là. Alors,
Voilà où j'en suis. Vous voyez, toute la partie orange. Je vous avais montré la semaine dernière, la nervure était faite. Et voilà. Ça m'énerve que la couleur change comme ça tout le temps. Voilà ce qui a été fait. Donc celle-là, elle avance doucement, mais sûrement. Je ne suis pas pressée du tout pour celle-là. Si elle prend 6 mois, non, elle ne prendra pas 6 mois. C'est déjà attrapé le hoquet. Si elle prend 1 an, c'est bien. Elle prend 2 ans, bah, elle prendra 2 ans. Hein. Mais voilà. Donc, je vous montre avec la partie faite. Donc, ici. Oh, bah alors, j'ai le hoquet. Et j'aime beaucoup celle-là. Pourtant, l'estampé, c'est pas. Voilà. Mais ce modèle m'avait tapé à l'œil. Et je sais que dans mon groupe, j'ai une abonnée, voilà, je vais y arriver, qui l'a pris pour faire le sale du Nouvel An. Comme c'est sur le thème de l'automne ou de l'hiver, ça rentre très très bien dans le thème. Voilà. Bon, ben niveau broderie, je crois que j'ai tout montré. Oui. J'en vérifie un petit peu, hein, mais ça c'est quoi? Non, ça c'est ma guernouille. Vous savez ma grenouille? La grenouille de Sabine. Voilà. J'en ferai certainement cette semaine un petit peu. C'est pareil, j'avance doucement, mais voilà. Voilà. Alors, niveau broderie, c'est terminé. On va parler tricot, mais avant, je fais ma petite pause à moi. Moi aussi, il faut que j'y aille, mais moi, ça se passe. Là, j'arrive tout de suite. Avant de vous montrer le tricot, je voulais vous montrer. Voilà, il y a une chose que je voudrais commencer cette année, donc en 2024, mais à voir. Ça fait un petit moment, enfin, un petit moment, ouais, ça fait 3-4 mois, peut-être un petit peu plus que je l'ai acheté. Je voudrais faire celui-là, le Lanart, les ronds bleus. Celui-là, j'aimerais bien le commencer parce qu'il est magnifique. En plus, il est bien, vous voyez, il est dans un joli coffret. J'aimerais bien le commencer. Bon, je ne sais pas encore quand exactement, mais je ne voudrais pas attendre une année de plus pour le faire. Alors, il est sur une toile Aïda aussi. Alors, je ne sais pas si je vais réussir. Parce que tout est bien rangé, vous voyez. Et ça m'embête. Voilà. C'est bon. Donc, ça, je ne vais pas les enlever. Hein, mais voilà, les fils. Essayez de pas trop les chipoter. Et la toile, alors, elle n'est pas blanche. Elle est grise, voilà, et c'est une toile Aïda, voyez, ici une Aïda, combien, que c'est marqué là, c'est une Aïda 5-4, donc c'est 14 CT, mais pas tout à fait, enfin c'est presque du 14 CT. Elle a combien de couleurs? Faudrait que je les compte là. Bah, ah ben bah non, je vois là, je suis bête. 20 couleurs. C'est ça? Ah non, 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 attendez. 34 couleurs. Voilà,
34 couleurs. Et voilà, le patron, lui, est super... bon, il n'est pas en couleur, il est en noir et blanc. Mais, alors, je ne vous montre qu'une partie. Hein. Mais ça va, il est très, très... Alors, il est dans quel sens dans ce sens-là. Voilà, vous voyez. Il est très, très bien. Bon, ça, c'est pareil. C'est le genre de patron, je ne vais pas stabiloter dessus du tout, du tout, du tout. Hein. C'est du précieux, ça. On ne stabilote pas. On fait une photocopie et on stabilote la photocopie. Il ne faut pas stabiloter vos vrais patrons. Non, 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 non. Non, non, ça, c'est précieux. On ne les abîme pas. Hein. Donc, voilà. Donc, j'aimerais bien le commencer quand, je sais pas, mais voilà. Que je remets tout bien parce que... Hop. Voilà. Donc, on verra en cours d'année si je l'ai attaqué. Mais bon, c'est pareil, celui-là. Alors, celui-là, il a été fait en salle. Il y a comment vous savez les salles que organise la NART et la Maison du Canevas et Univers Broderie aussi ils font cette année ils avaient fait... Oh, il est beau celui de cette année, maintenant ça y est il est fini, je l'ai vu, c'est une tortue dans la mer. Oh, il est trop beau aussi, mais bon. J'ai dit, on reste raisonnable. On va rester raisonnable. Alors, donc, celui-là, ben, j'aimerais bien le commencer. Mais, voilà. Mais c'est pour ça, que je vous dis, il faudrait que j'arrête de commencer plein de trucs. Il faut que je termine des choses avant. Et ensuite... j'en commencerai d'autres. Ils ont plein de beaux modèles chez la NART. Donc voilà. Ensuite. Alors, il y a une chose que moi, je ne peux pas encore vous montrer. Parce que je ne sais pas si elle l'a reçue. Alors, par contre, moi, j'ai reçu. Je n'ai pas fait la vidéo du coup. Donc, je vais vous le montrer là. Alors. Des petits cadeaux. Alors, Sophie, tu verras que j'ai pas encore fait la gourmande parce qu'elle m'avait mis un chocolat. C'est étonnant qu'il ait encore là le chocolat. Elle m'avait mis aussi un autre chocolat. Oui, un autre chocolat. Et des sachets de thé, alors du thé Earl Grey Yin Zen, voilà, celui-là, je connais pas du tout ça, cela j'ai vraiment, alors c'est du thé noir et thé blanc, pointe blanche, huile essentielle de bergamote, pétale de fleurs, infusion 4-5 minutes à 90 degrés. Et celui-là, mais alors du coup, j'ai pas ouvert, mais tu me confirmeras, Sophie, c'est pas des petits sachets de thé, c'est vraiment le thé à mettre dans, je pense. Et là, c'est tisane aromatisée, fruits du verger. Ça va être bon ça le soir. C'est des écorces de cynorhodon, feuilles de cassis, tilleul. Ouais, donc le soir, il y a du tilleul. Arôme, rhubarbe, mirabelle, poire, pomme verte. Mmh. Infusion 6 minutes à 100 degrés. D'accord. Je sais pas.
Donc ça, c'est à goûter. Alors, j'ai eu aussi une jolie carte, voilà, de Noël. Et elle m'a mis un... Alors, je crois que le kit, c'est parce qu'elle l'avait en double, si je me trompe pas. Ah, c'est ça, elle l'avait reçu en double. Elle l'avait commandé deux fois. Ça va, ça me rassure, il n'y a pas que moi qui fais des trompes. Voilà. Il est super beau. Donc ça, c'est un petit kit à faire à un moment de l'automne. C'est fait sur une toile. J'ai regardé. Du coup, j'ai pas regardé tout en détail encore. Ouais, c'est sur une Aïda, bien sûr. Il y a un petit flash code. Bon, c'est pas écrit en français, mais c'est pas grave. Ouais, c'est une petite toile Aïda. Je vais pas enlever les fils, voyez. Donc, il y a combien de couleurs? 21 couleurs. Ça va, pour un petit kit comme ça, c'est pas mal, hein. Je vais remettre le petit flash code là. Je regarderai ce que c'est. Merci, merci. Alors, je le ferai, hein, mais pas tout de suite. Je verrai pour le faire pour que je l'ai à l'automne. Voilà. En attendant, je remets dedans. Et celui-là sera prévu pour l'automne. Voilà. Et elle m'a donc fait une ATC. Elle est trop trop belle. Voilà. Une jolie ATC. Bon, derrière, il y a ces... Je vous montre pas, mais... Bon, je vais cacher comme ça. Vous voyez, il y a encore une petite décoration derrière. Voilà. Et elle a même mis une petite comme ça je peux le pendre. Je vais la pendre. Bah, tiens, je vais le pendre au sapin. Elle est vraiment très très belle. Alors, j'espère que la mienne va lui plaire. Hein. Mais bon, je vous la montrerai la semaine prochaine, du coup, la mienne. En photo, bien sûr. Mais là, je ne vais pas vous la montrer maintenant parce que je ne sais pas si elle l'a reçue. Et puis elle regarde mes vidéos, donc voilà. Et j'ai reçu d'autres cartes de Noël, mais là juste des cartes. Donc, merci, merci beaucoup à ceux qui m'ont envoyé des cartes de Noël. Et ensuite, nous on se fait pas de cadeaux, hein, je vous l'ai dit. Si on a envie de s'acheter un truc, on se l'achète. Mais là, j'avais vu que sur le catalogue Action, qui sortait des petits kits au crochet. J'avais dit à Chouchou, j'ai trouvé, tu vas me faire mon cadeau de Noël, 3,49 €. Ça va, je ne l'ai pas ruiné. Hein. Alors, il m'a dit, bah, tiens, là, 20 €, puis tu prendras ce que tu veux. Si. Du coup, alors, j'y suis allée mercredi, le jour des promos, ça n'y était pas. J'y suis retournée le jeudi avec Chouchou, il n'avait toujours pas reçu. Il me dit, bah, prends autre chose, tant pis, je fais, ouais, bah, c'est ce que je vais faire. Donc, je me suis pris un parfum, des chaussettes, voilà. Moi, j'achète plus de trucs qui servent à rien. Enfin, j'essaye. Vendredi, je vais faire des courses au supermarché à côté. Du coup, je vais regarder. Donc, toujours pas eu. Ce matin, j'y vais parce que j'étais. C'est pareil, à mes petits enfants, je fais plus de cadeaux. Je ne sais pas quoi leur acheter. Donc, depuis cette année, j'ai leur ai pris ben, des cartes cadeaux de chez Action. Ils adorent aller à Action. Donc, voilà. Comme ça, au moins, ils font ce qu'ils veulent avec. Et qu'est-ce que je vois?
Qu'est-ce que je vois? Ta-da-da! C'était enfin arrivé! Alors, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 ou 5 modèles. Ouais. Mais il n'y a que celui-là que j'ai trouvé, Julie. Il n'y a que lui que j'ai, enfin elle, puisque c'est une lapinou, que j'ai trouvé jolie. Alors après, il y a un petit garçon, il y a une petite fille, mais alors ils ont un visage moche, mais alors c'est super moche. Il y a un singe, et il y a un autre truc, je crois, je sais plus ce que c'est, mais j'ai pas aimé les autres. Il n'y a que celui-là. Alors j'ai dit, je vais prendre le lapin ballerine. Voilà. Elle est trop choupinou. Regardez-moi ça. Voilà. Encore un truc à faire. Et 40 cm hein, quand même. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert. Attends, je dois avoir un ciseau dans le coin. Pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Bon, du coup, là, j'ai pas fait une vidéo haul hein, pour un article, ça servait à rien. Pour ça, je me suis dit, je vais vous le montrer dans le journal créatif. Hop. Allez, voilà. Ça servait à rien que je fasse une vidéo exprès. Je ferai peut-être une vidéo à part quand je le ferai. Alors, on a d'abord le petit mode d'emploi. Voilà, le patron. On a un petit ballot de rembourrage. Oh, attends, la laine, là, elle se barre. Hop, on fait un petit nœud. Hop. Voilà. Une petite pelote de laine. Alors, rose pâle. Ah ben, j'ai encore une notice dedans, donc ça doit être deux notices différentes, je pense. Je regarderai ça. À moins que ce soit une en français et une dans une autre langue. Oula. Alors, il y a des petits bouts de laine comme ça. Il y a une pelote en couleur blanc cassé, vanille clair. Il y a pour faire sa petite jupe du tulle. Il y a une bobine de fil avec son aiguille. Et alors il y a, je vais tenir comme ça pour que vous voyez. Il y a le crochet, voyez, et regardez, et ici, une aiguille à laine. Voilà. Bon, ça va, c'est assez complet, il n'y a plus rien. Non, c'est assez complet, hein, quand même. Alors, je vais remettre ça bien. Hop, un petit bout de laine. Voilà. Donc, il faudra que je regarde ça... peut-être reposer comme on dit et j'espère que c'est écrit en français hein. Allez. C'est écrit, alors en polonais, en italien, là je sais pas ce que c'est. En espagnol. Alors l'offre, elle doit être ici en français. Oui, voilà. Je l'ai en français ici. Donc la deuxième notice, elle n'est pas en français. Et là, elle... ah ouais, c'est mélangé, les langues. Super. Là, ouais, là j'ai tête. Jambes, pompon, finition. Ah non, d'accord, c'est bon, j'ai compris.
Ok. Néerlandais, anglais. Ouais, c'est écrit en plein de langues. Ça va, c'est bien. Et vous avez aussi des images pour vous expliquer. Voyez. Non, ouais. J'ai regardé ça, je vous dis, je vais bien bien lire avant. Et je commencerai, ben. Excusez-moi, on commencera certainement ensemble. Voilà. Donc ça, c'est mon petit cadeau de Noël. Ça me suffit. Bah, du coup, j'ai ça, le parfum, des chaussettes, parce que j'avais besoin de chaussettes. Des petites culottes. Enfin, c'est plus les petites à ma taille, c'est pas des petites. Mais voilà, pour ça, je vous ai dit, j'ai vraiment pris des choses utiles. Pas des frivolités, des trucs qui me serviront à rien. À notre âge, voilà, on achète des choses qui nous servent. Là, j'étais un peu déçue parce que j'avais vu un joli pull, pas chez Action, mais il y a un magasin de vêtements à côté. J'avais vu un joli pull pour chouchou en vitrine, mais en magasin, il ne l'avait plus. Il en restait, mais des blancs. Blancs. C'est pas top top. Bon, voilà. Alors, les achats, les cadeaux, tout ça, c'est bon. Alors, maintenant, je vais vraiment vous montrer le tricot. Vous avez vu, hein? Vous m'avez vu tricoter, j'ai... Oh, excusez-moi. Il est passé 10h30 du soir, hein? J'ai avancé un peu ma couverture. Petite pelote. Fin de pelote. Hop, il y en a. J'ai pas chat, il me regarde, il dit, ça y est, maman, elle a pété un câble. Maman, elle a pété un câble. Voilà. Alors, j'ai avancé. Alors, j'ai fait 6 ou 7 jours. Voilà. Donc, j'ai avancé de ça. Oui, je sais, j'avance pas beaucoup, hein, mais il y a 200 mailles. Hein, et c'est en aller-retour. Voilà. Donc. Voilà ce que j'ai fait. Je suis pas en avance, hein, puisque en plus la semaine prochaine on commence l'autre. Mais bon. Waouh, on arrive à 1h30. Je commence seulement à vous montrer le tricot. Oh, purée. Je suis sûre que j'en ai perdu la moitié là. Ah, s'il n'y a rien de beau ce soir pour le réveillon de Noël, bah, vous remettez ma vidéo. Vous regardez la télé.
Ensuite, alors, attendez, je vais mettre ma tablette là parce que sinon je vais faire des bêtises. Hop. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de tricoter mon pull fil d'art. Oh. J'étais en train de tricoter mon pull fil d'art. Le voici. Il avance tout doucement, mais sûrement. Il me reste 10 cm avant d'attaquer le dessous des emmanchures. Voilà. Donc j'étais là, j'ai fait ça. Mais en fin de compte, je l'aime bien. Voilà, je l'aime beaucoup. Et... Ah non, 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 non. Je montre les tricots avant. Non. tout au moins celui-là. Je vous le dis, ils font exprès. Fin de compte, je l'aime bien. Voilà. Non, il est chouette. Il est bien chaud. Pas trop épais, mais bien chaud. Donc, ça va très bien. Alors, celui-là, c'est le modèle extrait de ce livre-là. Voilà. Tricot pour les rondes. C'est pas le fil d'origine, hein, vous vous rappelez, le fil d'origine, il n'y a pas eu moyen que de le tricoter. Oui, maman elle arrive. C'est pour faire ce pull là. Voilà. Donc un truc tout simple, hein. Mais oh, pardon. Un truc tout simple, mais voilà. Donc là, moi, je le fais. Alors, le fil d'origine, c'était le... Je ne me rappelle plus du nom. C'était le fil diamant. Et moi, je le fais avec le... J'arrive! J'arrive! De toute façon, ce n'est pas pour vous faire pipi, c'est pour aller voir ce qui se passe dehors. Et j'ai choisi de le faire avec le Pingo First de chez Pingouin, couleur lin. Voilà. Bon, allez, je refais une pause. Oh, je suis plus au milieu, non? Hop. Allez, j'ai fait sortir pour le pipi. J'arrive. Je suis là. Non. Un dixième de seconde. Ça y est. En plus, c'est même pas pour... Le pipi, ça dure, mais alors, une seconde. Pour passer leur curiosité dehors. Alors, deuxième pull. Bon, je ne veux pas dire qu'il n'a pas avancé. Hein. Il a avancé. Mais voilà, c'est le devant du pull de Chouchou. Vous vous rappelez, je vous avais montré que j'avais terminé le dos. Donc, voilà où j'étais. Et j'ai fait hop, tout ça. C'est un pull débardeur. Voilà. Je vous remettrai la photo, ce sera mieux, puisque là c'est un PDF que j'ai imprimé. Alors, il est gratuit sur Bergère de France. Donc voilà. Alors j'ai le projet normalement d'en faire un deuxième dans une autre couleur, mais ben, du coup je sais pas, je verrai bien. Parce que c'est des mères de Jersey et du coup, ça fait long. Alors, c'est celui-là, le Calinou Bergère de France, en couleur lac. Voilà. Alors, j'ai le même, bon, je vous dis, pour faire un deuxième... Ah, j'ai fait un nœud. Pour faire un deuxième débardeur pour Chouchou, avec la même laine, le même modèle. C'est... Bon, j'enlèverai le nœud après. Ces couleurs oh, le nom de la couleur je ne sais plus, mais c'est du bordeaux. Voilà, c'est du bordeaux. Voilà. Chouchou aime bien mettre des débardeurs, pas l'hiver hein, bien sûr, mais quand les demi-saisons il aime bien mettre des débardeurs avec un petit t-shirt en dessous. Voilà. J'avance. Voilà, il n'y a plus que le devant à faire, hein, de toute façon. Donc, voilà. Bah, écoutez, je crois que niveau tricot, j'ai
tout montré. Ça a été assez vite parce que bah, le tricot, j'ai pas grand chose à vous montrer. Hein. Ah, mais non, je suis bête. Je suis bête. C'est quoi ça? J'ai fini le dos. J'ai fini le dos. Nananananère. Bon, attendez, je vais enlever les aiguilles parce que je vais faire des bêtises. Hop. J'ai fini le dos. Tout, 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 tout. Hop. Voilà. Hop. Coucou. Alors, le dos est terminé. C'est le dos du pull camionneur. Oh, il est super léger. Oh, il est léger. Mais alors, donc, il va se montrer. Enfin, ça, c'est l'endroit. Donc, c'est du jersey en vert. Et bien sûr, de l'autre côté, ça vous fait comme du jersey en droit. Mais là, du coup, ce sera. J'ai jamais fait de pull en jersey en vert. Bah, c'est la même chose que le jersey en droit, je veux dire, mais dans hop, c'est à l'envers. Voilà. ce sera mon premier pull en jersey en vert. Voilà. Je l'aime beaucoup. Voilà, il est doux. Il paraît chaud. Il est léger. Vous voyez. On se voit dedans quand même un peu, mais il m'a l'air chaud. Oh oui, quand j'ai vu sur l'image, on dirait que c'est plus épais, plus gros, mais non, c'est comme ça, c'est tout léger. Alors celui-là, est-ce que j'ai une pelote? Oui. Il est fait en cocooning, voilà, de Bergère de France, couleur ocre, voilà. Donc celui-là, il se tricote en, là je tricote en quoi, 6,5 je crois, je sais plus, attendez, que je sors mes bâtons là, ouais, 6,5, voilà. Ça c'est des aiguilles prime, voilà. Sont bien aussi ces aiguilles. Donc voilà. Donc cette semaine, bon, on va attaquer le devant. Voilà. Bon, il est chouette. Bon, il paraît large hein, comme ça, mais c'est normal. Hein, dans ma taille, il peut pas être. Alors, je replie bien. Alors, ce que j'aime pas, c'est que c'est ça. C'est qu'il faut mettre des mailles en attente. J'aime pas ça. Mais bon, faut le faire. Hein. Alors, vous voyez, j'étais... ouais, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. La dernière fois... Non, dans le bon sens. Voilà, dernière fois, j'étais là. Et du coup, j'ai monté tout ça. Hop, là, jusqu'en haut. J'ai monté toutes les épaules, bah, c'est les épaules, hein. Voilà. Alors, j'ai une petite erreur d'un point, enfin d'une maille, il manquait une maille, arrivé tout en haut, mais ça, c'est pas grave. Ça va pas changer le bins, hein, voilà. Donc voilà, bah, ça y est, là en tricot, j'ai tout montré. Alors du coup, je reviens juste 2 secondes, après vous aurez le droit au bisou. Là je porte le téléphone à la main, je suis désolée, parce que j'ai déjà tout rangé. Vous n'avez pas vu mon coloriage, voilà, c'est normal, j'ai pas eu le temps de le faire du tout. Donc là je vais voir avec Minky pour que... Cette semaine, si elle veut ne pas en faire, bah, comme ça, moi, je rattrape mon étape à moi. Voilà, donc j'espère vous montrer la suite de mon coloriage dimanche prochain. Voilà.
La semaine prochaine, alors cette semaine plutôt. Bon, allez, hop, là, c'est après. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je n'ai pas noté, mais je vais regarder avec celle de cette semaine. Voilà. Alors, cette semaine, il y aura. Moi, j'ai poils de laine. La broderie carotte, ça c'est sûr. Donc, la durée de Jones, je la compte pas, mais je vais voir si je fais le sapin ou pas. Mais je pense pas. Donc, celle-là, hop, je marque range, rangée. Hop. Ça veut pas dire abandonner, hein. Ça veut juste dire ranger. Oh, bah alors. calendrier de l'Avent. Alors, je vais juste terminer le sapin et après je le range. Donc, sapin plus rangé. Et je vous montrerai hein, le sapin. Oh. Le sale mystère de Sabine. Ok. J'essaierai de faire au minimum. Je préfère marquer au minimum. 250 croix. Voilà. Donc celui-là, je le range. Celui-là, je le range. Hop. La broderie fleur. Ben, je vais attaquer ma broderie fleur. Donc ce sera la rose. Voilà, la numéro 4. Mon dragon. Je vais pareil, je vais essayer de faire 250 points sur le dragon, 250 croix. Ensuite, le sale de Julia. Alors, le sale de Julia, c'est 1000 points, 1000 croix par mois. Donc, ça fait 250 par semaine. Donc, bah, je vais faire 250. Hein. Voilà, 250 croix. La grenouille, idem. Voilà. Allez, cette semaine, ça va être 250 croix partout. Ça va être plus simple. 250 croix pour la grenouille. Bah, la broderie météo, c'est, je la termine. Voilà, tout simplement. Terminée. Celle de jardin privé. Hein. Alors, terminée. Ma maison météo. Oh! Je voulais pas montrer. Mince. Je reviens. Ah, je vous jure. Celle-là, à chaque fois, je l'oublie. Elle est rangée. Alors, elle n'est pas rangée au même endroit que les autres. C'est pour ça. Comme elle est sur un grand cadre, elle est pendue derrière ma porte qui mène aux toilettes et à la salle de bain. Elle est pendue sur un porte-manteau là. Et du coup, à chaque fois, j'oublie de vous la montrer. Voilà ma broderie, la maison météo. Alors, j'ai avancé les fenêtres ici, ici. J'ai commencé à broder la menuiserie là, à l'intérieur. Donc, celle-ci, ça va être la première semaine de janvier. Et j'ai commencé là. Mais j'ai un souci. Vous savez que j'ai un peu de fil à broder, tu peux, hein. Je dois avoir à vue de nez dans les 3000 échevettes, peut-être plus, ou je sais pas, je sais plus. Oui, 3000 que j'ai pas encore tout bobiné. et je suis tombée en panne sur ma broderie ici. De la couleur des menuiseries. Alors c'est pour ça que j'ai perdu du temps aussi cette semaine. Ça doit être vendredi, je crois. Non, jeudi, enfin, je sais plus. On s'en fout. J'ai sorti tous mes fils.
Donc, il y en a qui sont bobinés, donc là, ça va vite à trouver parce qu'ils sont classés. Mais tout le reste, c'est en vrac. Tout le reste, toutes mes échevettes sont en vrac, dans plusieurs boîtes. Donc, j'ai tout trié. Tout trié mes boîtes. Et je n'ai pas trouvé une seule échevette de cette couleur-là. Mais alors, pas une. Vous savez que j'ai reçu dernièrement un lot d'échevettes de VIP Crostiche, les 447 échevettes. Donc, la couleur, elle est dedans, là, c'est sûr. Mais bon, je n'aurai qu'une seule échevette. Du coup, va falloir que je m'en commande. En sachant que là, je brode avec les fils chinois. Si je m'en commande que cette couleur-là, il va falloir que je commande du DMC. Bon, ce n'est pas le fait de commander du DMC, hein, ça ne me gêne pas. Mais voilà. Alors, avoir plus de 3000 échevettes et être en panne d'une couleur. Faut le faire, hein. Je vous jure, il faut le faire. Je regardais dans mes boîtes, il y a des couleurs où j'en ai 5, 6, 10. Voilà. Puisque quand je prenais beaucoup au partenariat, quand c'était en vrac, des fois on avait plusieurs couleurs pareilles. Voilà. Les 447, non, vous en avez une de chaque. Donc là, bon, je ne voulais pas toucher à ce paquet-là. J'ai dit, je vais attendre de finir de bobiner tout le reste. Mais là, non, il n'y a pas. Il va falloir que je l'ouvre et puis prendre la couleur. Parce que bah, là, ça y est, on arrive au 1er janvier. Donc là, la première semaine est faite. Mais là, il faut que j'attaque, là. Il faut que j'attaque. Voilà. Mais bon. Mais sûr. Il faut le faire, là. Donc voilà, elle avance doucement, mais sûrement. Mais là maintenant, donc là le 1er janvier, hop, on commence cette fenêtre-là avec nos températures. Donc voilà. Alors j'ai une de mes abonnées qui est aussi modératrice sur mon groupe qui le fait également. Elle ne va pas broder à l'intérieur des fenêtres, elle va tout mettre en perles. Voilà. Chaque vitre, les températures, elle va les broder avec des perles. Ça va lui faire du bon boulot, je pense. Mais je pense que ça va être très très beau aussi. Quand elle aura un petit peu avancé, je vous montrerai. Voilà. Donc j'ai ça aussi à faire. Cette semaine et puis toutes les semaines à venir jusqu'au 31 décembre. Voilà. Hop, je la mets là. Bon, bah désolée, j'avais oublié de vous la montrer. Alors, je repars dans. Waouh, elle est longue la vidéo. Avancer cette vidéo-là. Avancer donc ma maison météo hein, pour la semaine prochaine. Voilà. Mon estampé, ça c'est le dimanche, hein, donc ça change pas. J'ai toujours prévision de, alors, d'avancer ma broderie toast à l'œuf et mon cheval. Si je pouvais aussi finir ces deux-là rapidement, ça fera encore deux de moins. Donc voilà. Bon, on va déjà rester là-dessus. Du coup, il n'y aura pas de DP. Donc, je vais gagner ça. Enfin, je vais gagner ça. Ça me fera quelques petites heures en plus pour avancer sur la broderie. Et en tricot, bah, c'est toujours la même chose, hein, le débardeur, le pull camionneur, le pull fil d'art et ma couverture. Voilà. Voilà. Bon. De toute façon, si j'ai fait d'autres choses, vous le verrez, je vous montrerai.
Mais c'est déjà pas mal. Surtout que là, bon, c'est encore une semaine entre les fêtes, donc Nouvel An, on s'en fout. Alors là, Nouvel An, mais alors un point. Donc pareil, juste petit souper amélioré, mais alors vraiment petit souper amélioré, rien d'autre. Mais alors, de toute façon, souvent on est couché avant minuit. Comme ça, on est tranquille. Les sonneries des téléphones sont éteintes. Voilà. Donc, on reçoit des messages, on y répond le lendemain. Voilà. Non, non, on n'est pas des ours. Hein. Non, mais c'est parce qu'on n'aime pas Nouvel An. Voilà. Bah écoutez, après 1h50 de vidéo, si c'est pas plus, je crois. Oui, il y a un petit peu plus qu'1h50. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai papoté, papoté, papoté. J'ai soif maintenant, je meurs de soif. Je vais ranger tout ça. Je vais boire un grand verre de thé pêche frais, bien frais. Mettre mon pilou pilou. Et puis, ben, comme on est dimanche de réveillon, quand vous regarderez la vidéo, enfin si vous la regardez le dimanche, je vous souhaite à tous encore une fois un très bon réveillon. Je vous demande d'être prudent sur la route. Si vous devez prendre la route avant ou après, soyez super prudent, que ce soit pour vous ou d'être prudent par rapport aux autres, hein, parce que des fois, nous, on est prudent, mais pas les autres. Donc, soyez super prudent. Comme on dit, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. C'est mieux, hein, parce que le permis de conduire, ça coûte cher aussi. Et puis même, voilà, pour éviter les problèmes. Faites pas d'indigestion de chocolat. Mangez pas trop, mais mangez bien. Non, mais voilà. Allez, je vous souhaite à tous un excellent réveillon. Et nous, on va se retrouver. Demain, ce sera Noël. Il y aura peut-être une vidéo, hein, ça c'est sûr. Il y aura surtout la vidéo du gagnant du dernier lot du calendrier de l'Avent. Donc, ne ratez pas. Si jamais, on ne sait jamais, c'est peut-être votre nom hein, qui va apparaître. Ce serait un cadeau de Noël. Et il y aura peut-être... J'aimerais peut-être vous faire un petit coucou. Je verrai suivant le temps que j'aurai. Et puis, bon... Si jamais j'ai mes petits-enfants qui viennent, voilà, bon, j'aurai un peu moins de temps du coup, donc. Mais c'est pas grave, je vous aurais déjà souhaité joyeux Noël maintenant. C'est même si j'ai pas eu le temps de revenir demain. Bon, ben maintenant je vais ranger tout ça. Je vais vous faire plein de gros bisous. Voilà. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et le prochain journal créatif, ce sera le dernier jour de l'année. Voilà, ce sera le 31 décembre, dernier dimanche de l'année, avant de revenir l'année prochaine. Allez, je vous fais plein, plein, plein de bisous. À bientôt et encore une fois, bon réveillon.